Caché au milieu de la forêt, le coucher de soleil sur le fleuve Pastas, un des affluents de l'Amazon, très majestueux, Yuri Yurinkias, en train de faire des peintures faciales, il le fait chaque matin, et à côté, c'est une sarbacane. Marco Cinquan, fils du fondateur et sa femme, les petits-enfants, avec la machette, qui vont cueillir les fruits, ils grimpent sur les arbres, ils coupent les fruits, ils les font tomber, ensuite ils les mettent dans ces paniers qui suspendent derrière eux. Clemente Moncucha, un jeune père de famille. Pedro Witty, qui est le maire du village, il a déjà été deux fois. Pedro, avec deux enfants, les t-shirts de football, l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. Les larves de charançon, une spécialité qu'on peut manger cuit ou cru, mais il faut leur couper la tête parce que sinon ça gigote. Ça, c'est le festin qu'ils ont fait après avoir chassé 6 sangliers. Donc il y avait de la viande pour tout le monde. Ici, les enfants, devant le fleuve Pastas, hein, ils sont sales parce qu'ils jouent au foot dans la boue, mais ils sont propres tous les matins parce que les mères passent leur soirée à laver, laver, laver le linge. Ça, c'est un jeune avec Cucci, qui est un raton laveur. Apprivoisé, c'était son animal favori. La boucle du Pastas, vue de l'autre côté par rapport au coucher de soleil, là c'est vers l'amont. Une petite fille avec son merle, apprivoisé mais lui un peu coupé les ailes. Flavio qui revient de la pêche, avec tous les poissons, dont un piranha. Ça c'est un jeune, c'est un frère de Marlon et de Flavio donc. La case des invités, il n'y a pas de mur, il y a juste une moustiquaire. Elle donne sur le fleuve et on dort en pleine forêt. Ça, c'est la case et ça, c'est vu du dessous. La charpente, très dense, tressée très dense. Et là, c'est comme on la fabrique avec des feuilles de palmier. Et pour les invités, évidemment, le confort, c'est les hamacs qui sont suspendus au poteau de la case et qui donnent sur la rivière Pastas, donc il y a toujours un peu de vent. C'est plutôt rafraîchissant. Ensuite, on a un banc qui est typique des bancs à choix parce qu'il est en forme de serpent. Il a une tête de serpent et il est sculpté d'un seul bloc dans un billot de bois. Et c'est un très joli travail. C'est très lourd à soulever surtout. Marlon qui se prépare pour la fête. Et il se fait lui-même le maquillage, mais il le fait dans la glace que quelqu'un lui tient. Et donc on voit le reflet de son oncle derrière qui surveille l'opération. Ça, ce sont trois photos. Trois photos où on voit les parents qui peignent le visage de leurs enfants. Et donc chaque père peint ses enfants parce que ce sont des couleurs, des peintures familiales. Chaque famille a son motif. Ici, c'est un fils de Pedro, donc c'est un frère de Flavio Mano, chasseur à la sarbacane. Il a une longue sarbacane, assez fine, et avec ça, il lance des petites flèches imprégnées de cuirard, et il pêche, et il chasse de minuscules oiseaux. Le plus fantastique, c'est pas tellement de les chasser, c'est de les voir. Il arrive à voir ces petits oiseaux cachés au milieu des branches. Et très haut, à 4-5 mètres en l'air. Et il arrive à les chasser avec cette petite flèche. Ça, c'est Marlon de nouveau, en train de faire des essais de peinture. Alors, les garçons, les hommes ont des peintures qui sont en traits coupés, et les filles ont des ronds. Et les filles ont des ronds rouges. Ça, c'est Flavio, un matin de Guayusa. La guayusa, c'est cette infusion qu'on prend le matin à 4h du matin. On la prend tiède. C'est une feuille assez forte, ça ressemble un peu au maté. Et l'effet, c'est quand on en boit un litre, après on a envie de vomir, donc on va vomir dans les fourrés. Et tous les matins, ils font ça pour se purifier, pour se débarrasser des parasites. Et c'est quand même un peu dur. Et voilà la dernière. Donc c'est Marlon et un copain, plus un petit frère, qui sont prêts pour le festin, donc ils ont les peintures pour la fête,
et on voit que c'est l'ambiance de la fête. Guarda, viene eletto il sostituto principale per 2 anni, soltanto un mandato di 2 anni. Lui sul secondo mandato, perché in mezzo c'è stato un altro. No, è molto democratico, guarda. Queste le larve che si mangiano. Ah, sì? Sì, si mangiano anche crude, se sei capace. Se sei capace. No, sì, non sono altre larve. Se me sono molti fatti, sono un po' meglio. Sono dei ruscelli così, così, ma 5 metri di altezza degli altri, non so come farlo vedere. E si vede come l'acqua, lì sono cose di mezzo di onda. Cosa che riesce per la giornata? Piacere di vedere. Hey.